me demande où ces timbrés peuvent bien se cacher. T'as fait du très bon boulot. Ça fonctionne pas. Des fois, ça a un peu du mal de se mettre en branle. Nickel. On nous entend. Ouais, c'est bien. Alors, où c'est qu'on en était? Salut mon gars. T'as fait un sans faute pour défendre la prison. T'as fait du super boulot à la prison. C'est toi qui viens de mettre un point là. On va essayer de... Est-ce qu'on peut sortir? Non. C'est pas où qu'on sort plus, je sais plus. Alors, bonne question. Bah sinon... Hein? Comme d'hab, hein. On peut pas remonter par là. Ah, je sais par où. Ah, où? Ah, y'en est déjà coincé. Ça commence bien. T'as réussi à sortir? Ouais. Par où t'es passé? Où on est sorti de la prison, tout droit il y a une baraque avec Où on est sorti de la prison, tout droit il y a une baraque. Bravo pour la prison, mec. Voilà. Bon, véhicule. Et puis on doit aller à ce bas. On doit aller à ce truc là-bas. Allez, vas-y. Oh. C'est bien, je vois rien, merci. Oh, ça va tuer le bison. Il s'est sauvé et est sur la route. Mais sur la route, il y a des autres PD devant. Mitrailleuse, bite-le. Putain, c'est plein bison, c'est une épave. Vite, avant qu'on se bute. Oh putain, snipe. Ouais. Attends, j'arrive. Ah, je me suis fait tuer. Ouais. Tiens, crame. 30 secondes, hein, c'est bon. Ah ben là, je perds de la vie, là. Ben, c'est normal, y'a tout qui flamme. Il est où? Putain, il fait mal. Il est où celui qui me fait rester avec son snipe? Tiens, charogne. Pied, hop. Ah, maintenant, je peux même plus aller contre le bison, quoi. T'as pas le temps de prendre la viande? Bah j'étais mort hein, je suis descendu du 4x4, il m'a direct tué hein. Puis il est où le bison? Il a cramé?
Bah ouais. Ah merde. Ah, je pensais que t'avais le temps de prendre, désolé. La voiture, elle fonctionne encore? Non, faut la réparer. Oh putain, ouais, je la réparer, ouais. Ah là, toute neuve. Hop. T'es dedans? Ouais, ouais. C'est vrai, c'est vraiment bien ton lance-plan, mais pour certaines choses, c'est de la merde, quoi. Bah écoute, là, il y avait 4 personnes en face de moi, ils ont tous mort d'un coup, donc j'avais pas envie de mourir. Donc j'ai buté tout d'un coup. Désolé, excusez-moi. Faut pas traverser quand je roule, j'ai déjà dit. J'ai pas le temps de m'arrêter. En main. Tout au frein main. Mais si je crois qu'on peut jouer jusqu'à 4, je crois que non, mais c'est bon. Tu veux pas lever cette musique? Non, j'aime bien. C'est déprimant. Non, ça part t'énerver. Y'a des bisons dans le coin? Non, y'a peut-être camion de con! J'essaie d'aller devant, que tu puisses te buter le gaillard. Tu l'as eu? Bah non, tu t'arrêtes la pile. Ah oui. Non, c'est bon. C'est un coin de chasse de bisons, il doit en avoir partout. À chaque fois, je peux jamais prendre ce qu'il y a dedans, je comprends rien, ces trucs. Voilà. Mais moi, il y a marqué réparer, c'est tout. Ah, c'est le pour le camion. Ouais, il est foutu, le camion. Mais on s'en fout du camion. Bah oui, bah qu'est-ce que je te dis. Attends, je vais le réparer, tu me diras si ça fait quelque chose. Ah là, il est réparé. Tu peux prendre les trucs? Non, je peux jamais prendre. Quoi? Deux shoots. Il y avait deux ennemis là-bas. Avec un quad. Puis ils venaient contre nous, puis je les ai eu au snipe. Bah, c'est cool, nickel. Puis j'ai vu le coin de chasse bison. C'est un peu de chasse quand même. T'as eu 13 des sous, bien pas? Non. Oh bah. C'est que j'ai vu ça. Ah là. Hop, hop. Qui m'aime me suivre? Mais le problème qu'il y a, c'est qu'avec les snipes, on les abîme, hein, les pots. Hein. On les a moins chers que... Il faudrait avoir quoi alors? Ah, l'arc. L'arc pour chasser. Le problème, c'est pas le problème, quoi. C'est qu'il faut qu'on ait un peu de sous-sous, quoi. Ah, il est où? J'entends quelque chose. Ouais, moi aussi. Là. Il est où? Là-bas. Pour l'avoir, mon pauvre. Oublie, il court trop vite. J'étais bien gavé avant. Toi, tu y es. Là, ici. C'est quoi, un cougar? C'est de loup, peau de loup. Hop. Là, il y a des trucs à prendre, là. On va directement les prendre aussi. Piller. Là, je suis plein.
qu'il y a encore? Oh oui, quoi? Ah non, c'est bon, c'est des alliés, je croyais que c'était des méchants. Ah! Couvrez-moi! Compris! Je te tiens! C'était quoi? Tu vas pouvoir en trouver. Tu vas où, toi? Tu courtiras après ton bison ou quoi? Non, bah j'essaie de trouver qui est un bison. On peut se faire du fric parce que. Si on saute de mission en mission, t'es que... multimilliardaire. Bon, je fais ça pour toi, si tu veux continuer, moi je m'en fous. Hein. On y va. Mission suivante. De toute façon, on a toujours les caches, hein, où on peut aller visiter puis ramasser de l'argent dedans. Alors, on y va. Les caches de survivalistes, là. Non, moi j'aime bien chasser aussi, moi. Ouais, moi aussi, mais sauf qu'avec le snipe, tu bousilles la viande. Alors on retourne notre voiture, et puis on avance. Chaque fois je me trompe. Et on a d'autres bagnoles. Là. 4x4, voiture. Hop. Là-bas. Gentil. Oh là! Ils ont. Qu'est-ce qui s'est passé là? Gentil, méchant. Gentil. Steve, t'es à l'envers là. Oui, hey, j'ai vu. Enfin, non, j'ai plus rien là. Ah là j'ai plus de tracé, j'ai plus rien sur la route, c'est là ou c'est pas là? Continue la route là, je te dis. Ok. J'ai plus de points, j'ai plus de tracé, j'ai plus rien. Petit bec. Qu'est-ce que c'est ça? Ah. Méchant, non? Viens, rôtisserie. Salut Coca, bienvenue. Rôtisserie. C'est bon? Oui, ça va très bien et toi? La voiture. On veut piller un peu. Oui, ah bah alors c'est bien, tant mieux. Si tu vas bien, c'est le principal. Il y a encore du monde. Allez, merci. Après faut sauver hein, parce qu'il vous court dessus. Vous en êtes où? Je crois qu'on a fini la première partie du jeu. Je peux te montrer. Je vais crever. On a fini ça en train d'attaquer celle-là là. On a recommencé le jeu, on l'a déjà fini. Je l'avais déjà fini une fois, mais avec qui je joue, la personne avec qui je joue, elle n'est pas finie, donc elle voulait le faire. Tu conduis? C'est bon? Oui, tu peux y aller, je suis dedans. On veut le faire avant que le 6 sorte, quoi. Ça te sert juste, hein, tu l'avais jamais fini, toi, hein, le 5, hein. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai roulé sur quoi que ça me...
Je crois qu'on y arrive là, ou bien on a combien. Attends. Le point jaune, tu le vois? Oui, mais j'arrive pas. Non, non, 700 mètres, 700 mètres. Alors. Je peux m'appeler ta voiture, s'il te plaît? Des fois, il y a des petits bugs, c'est un petit peu lourd. Vas-y, à l'avant. Tout est fait, mid. Ouais, bah. On va essayer de refaire un petit peu, on verra bien. On continue la route toujours. Tu vois le tracé ou pas? Non, non, bah, tu gueules quoi. Tu me dis ce qu'il faut tourner. Parce que le jeu est assez sympa, puis bon, le 6 va sortir bientôt. Enfin, bientôt. Pas le mois prochain quoi. Mais... En espérant que le 6 soit en coop comme le 5. Quoi. Ouais. Coca, tu sais combien on peut être en coop sur le 5? Sur le Far Cry 5, là, on peut être 2, 3, 4, 5. Tu sais combien on peut être? Ou bien on peut être que 2 en coopération de joueurs? On peut jouer à 3 ou à 4 en même temps sur la même partie d'une personne. J'avance, hein, Seb, tu gueules, hein, s'il faut tourner ou bien pas. Hein. Droite! Merde, je change un truc. Ici, là, prochaine fois, dis-le moi un point d'avant. Deux en aventure, ok, bah, je te remercie, c'est cool. Papa. Tu l'as fini aussi le jeu, toi? Coca bien frais, le Far Cry 5, là j'ai fini plusieurs fois, ben tu attends aussi le 6 avec impatience. Tu dis un petit peu à l'avance de la tournée, hein, parce que là moi je vois attends, rien. Attends. Va tout droit, continue. Ouais, ok. J'ai fait une fois. Ok, bah. Voilà, si on leur finit, ce sera la deuxième fois. Donc, il est plutôt cool. Mais vivement le 6 quand même. En espérant qu'ils soient en coop. Stop! Le tracé s'arrête là. Il faut aller en fufu, tu sais quoi? C'est une mission? C'est. Je pense qu'il faut aller en fufu. On va jeter, s'il y a du monde. Oui, il y a du monde. Oh putain, sniper de mon cul. On va essayer de se le faire. Elle est mort, gentiment. T'en penses quoi de la fin? De la fin du 5? Oh, alors honnêtement, je ne m'en souviens plus. Honnêtement, je m'en souviens plus. Ça fait tellement longtemps que j'ai fini que honnêtement. Oh, j'ai tiré dans le cul. J'ai fait un deuxième trou de balle. Je pourrais plus te dire. À la fin. Plus de souvenirs, plus rien. Toi, t'avais aimé la fin? T'avais pas trop aimé? Comment t'as trouvé la fin, toi? S'il était sympa, s'il avait une belle fin, bon, avec un petit peu ces espèces de fantômes, trucs là, c'est un petit peu spirituel. Mais... Toi, qu'est-ce que t'en penses du jeu, Seb? Moi, je trouve pas mal. T'as un à l'intérieur qui veut pas. Je veux pas sortir, hein. Ouais, bah écoute, on le fera sortir, quoi. Ça m'aurait pas simple... Ah, c'était pas simple à comprendre. Oui. Il y a des fois les... C'était pas super évident à comprendre. Mais même les... quand tu fais des trucs... Même des fois quand tu écoutes un petit peu ce qu'ils disent, des fois on sait pas trop qui est qui est.
Encore pour moi, c'est un peu compliqué. Piller, ça a le temps. Histoire de se taper des sous-sous. Piller. Il y en a encore un à piller. Non, non. 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 Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Bah pourquoi je peux pas le piller celui-là? Bah tu peux pas. Y'a du monde, y'a du monde. Ils sont avec nous? Non. Ouais, alors là... Merde. J'ai dû sortir le chalumeau puis nous barrer. C'est que des gros en plus. Vas-y, piller à poil. Rapprocher, je sais que c'est pas bon, mais moi j'aime bien. Dehors, dehors, y'a du monde. Y'a du monde dehors. Où es-tu? Tout le monde arrive, on se bat. Au contact. Oh putain, on avait droit. Je vais droit dessus, on a droit avec une sulfateuse avec un gros casque qui m'a tué. Bah justement, je l'ai aspergé de. J'ai tiré dessus à la Gatling, j'arrivais pas à le tuer, puis je l'ai brûlé, puis bah j'ai pas réussi. Il m'a tué avant. Pourquoi faut des lance-roquettes pour cette type ou quoi? Bah écoute, celle-là, j'ai envoyé une chier de balle, et puis bah j'ai dû essayer de le brûler. Ça, bon, on va essayer de laisser faire un peu en fufute, quoi. Qu'est-ce que je te dis? Peut-être courir à tête en tête baissée. Ils ont sûrement des otages. J'ai déjà eu le snipe du toit là, tout en haut. C'est ce qu'on devrait faire, sérieusement. Moi j'ai une idée, moi. C'est qu'il y en a qui devrait prendre l'hélicoptère. Bien qu'elle est toujours au sol en fait, tu vois ce que je veux te dire? Quand c'est comme ça, venir aider tout le bordel. Si on creuve. Arrête de bouger, connard! On nous attaque! On a besoin de renfort! T'as tué l'otage, quoi. Eh ben j'ai vu. Bon, bah moi franchement qu'on a pas trop le choix. Déjà rentré? Non, non, je suis dehors au snipe. Bon, tu restes dehors? Vous êtes équipé de crever? Allez.
Ouais, bah... Attends, les gens qui crèvent là. T'es un gros truc de... Ils savent que t'es là. Ils viennent de demander des renforts. Fais gaffe à toi. Ils ont demandé des renforts, ils arrivent. Les renforts, ils arrivent depuis vers moi. Ok, j'arrive, je donne un coup de main. C'est des mastodons, hein. Ok, j'arrive. C'est bon, je l'ai eu. Avec quoi il tire? Oh putain! Ah, ils avaient des fusées à pompe! Je crois qu'on va changer de méthode et prendre un fusée à pompe après. Un fusée à pompe, et puis un sniper, et puis la grosse. Que j'ai la grosse Gatling, putain, j'ai la manette qui vibre comme un taré que je tire, quoi. Bah, moi aussi. Bon, je crois pas qu'il s'agissait de rumeurs. Un groupe d'éclaireurs vient de me contacter. Une prêtresse. Attends, je m'occupe de celui du toit. Il faut qu'on ait un fufit en fait. Faut pas qu'il nous voie, il faut qu'on aille gentiment. Nickel. De ce côté là aussi. Putain. Quoi? Je crois celui que je visais. Bah t'en as tué trois avant que je visais aussi. J'ai rien dit. C'est quoi qui est suspendu là? Je sais pas. Ce couteau, ce truc avec ce linge là. Non, tu es là. C'est quoi? C'est un gars. Moi je crois que maintenant faudrait qu'on y aille à l'intérieur, hein, parce que faut aller sauver la demoiselle là-bas. Bon, bah t'es prêt à mourir? Mais le truc casque, il a des sulfateuses, j'ai vu qu'il y a des tourelles sur le bâtiment. Bon, bah on prend les sulfateuses et puis on y va. Allez. On prend la grosse, je passe devant avec un chalumeau, c'est parti. Fais gaffe, y'a du... Délivré, c'est bon. Ah. Par où j'étais grimpé avant, là ici. Mais grimpe, bordel! Pourquoi que je suis dans l'eau? Ils savent que t'es là. Ils viennent de demander des renforts. Fais gaffe à toi. Y'a des munis ici où je suis. Ouais, j'ai déjà prise. Allez, sauve-toi. Hop. Gatling. Hop. Où c'est que tu es? Là. Oh putain, il tire avec quoi?
Fusil à pompe. Ben non, on aurait dit comme c'est un lance-missile ou un truc du style, quoi. T'es mort ? Bah oui. Vite, t'as passé par où, ma poule ? Vite. Faut grimper là en haut, prendre les gatlings, dépêche-toi. Caché. Faut un peu de vie. T'es son... Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, j'ai pas tiré, j'ai rien tiré, hein. J'étais à côté de la caisse de munitions, j'ai rien fait, ça a explosé. Alors là, ils ont des lance missiles, tu crois? Bah la Gatling est en feu là. Ouais, y a du monde qui arrive par les escaliers. C'est bon, je me l'ai fait. Ou peut-être des grenades, peut-être. Bon, je sais pas, il y en a un qui est là-bas dessous. Et c'est Marcel Montala qu'on veut laisser venir. Ouais, on tire dessus, je mets à l'abri, fais gaffe. Je contrôle ce qui monte. Ah, putain! Merci. Mets-toi à l'abri. T'es en plein milieu. Mais viens, on sait que je suis. Mais c'est pas où tu es. Mais je suis en haut des escaliers, c'est qu'il y a la grosse Gatling avant. Je suis protégé, y a personne qui peut monter. Attends. Voilà, ici Seb, j'étais là. 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 Voilà, j'étais là. Je contrôlais ce qui monte. Qu'est-ce qu'il vient des bateaux maintenant, quelque chose? Défendez votre position. Qu'est-ce qui. Ah, fallait au Gatling. Il y a des Gatling. Oui. Viens donner un coup de main, s'il te plaît. J'espère que t'es prêt, gamin. Si on s'est pas planté, la place... Il y a deux Gatling de côté qui sont pointés. Bah où? Elle est où, la deuxième? J'ai vu avant qu'elle était pointée par un truc jaune, donc je sais pas. Et alors donne-moi... Avec une, hein. Ah, bah j'ai vu deux points, désolé alors. J'ai vu deux points jaunes là derrière. D'après ce qu'on m'a dit, tu libères des gens de la secte. Il m'en faudrait 10. Faut que je change ma manette, j'étais Dieu. C'est bon. Mission finie. Tout le monde est mort, quoi. On a pu sauver un petit peu les otages. Sauver les otages. 10 sur 14. C'est ici qu'il faut les sauver? Servir et protéger, je vois pas où.
Ben, y en a qui sont raides. Mais je comprends pas. Oui. On n'a pas réussi notre mission alors? Si on l'a réussi, je pense que c'est une mission annexe, ça, non? Si Face te veut, elle t'aura. Je fouille un peu, je regarde si si je croise du monde que. C'est que je suis à des caisses de munitions, on sait jamais. Pour faire le plein. Je suis là. Ici. Ah, je t'ai hâté, voilà. C'est bon, moi je suis plein. Je... On va faire un peu le tour. Là, ici, il y a des mini-kits, je sais pas si tu peux les prendre. Moi je peux pas. Ta porte. T'en as lâché pour celle-là. Ouais, attention, viens pas près de moi. Eh, t'es pas facile, ouais. Il y a des explosifs là, c'est que je suis tout des lance-grenades, enfin des la TNT apposée du bordel là ici. C'est marqué plein, moi. Je peux pas. Moi explosif plein. Ok. Pas non plus. Bon, bah on va essayer de grimper, est-ce qu'on peut? Oui, grimper. Personne à délivrer. Là, il y en a une, mais. En délivré. Là, il y a une arme. Bon. Ici, je sais pas. Lire. Ok. Je sais pas ce qu'il y a. Bon, bah, c'est encore une autre mission, parce que c'est quoi ça? C'est une. Ah, servir et protéger. On me dit pas qu'on l'a pas fini, ben. C'est la mission, c'est qu'on est là, servir et protéger. Mais je vois pas. Je vois pas de point jaune. Je crois qu'on l'a loupé, je crois qu'on devait protéger les 14 otages, je crois. C'est marqué mission accomplie. On va se barrer, on va regarder. Sauver les otages. Des fois, ça bug un peu quand même, hein. Aussi je vais foutre le feu en séchant la con. Vas-y butch.
Bah écoute, je comprends pas trop ce qu'il faut faire. Je ne sais pas trop ce qu'il faut faire. On a raté la mission? Est-ce que les bateaux, il y avait des otages sur les bateaux? Je sais pas. Il y en a dans ces cages là. Ah ouais, ils sont tous morts. Je vais peut-être rentrer en fufute et puis ah ouais, tous les otages sont morts. Ah ouais, ils ont tous été butés dans les cages, le bordel. Donc ce qu'il fallait faire, c'était vraiment aller en fufute et puis pas qu'il se fasse avoir, quoi. Ouais, bah à peine t'en tireras, ils sont là avec leurs armes pile des buts, hein. Bah justement, donc je suis là pour commencer la mission, alors je sais pas comment on fait, hein. Bon, bah on va aller faire autre chose, qu'est-ce que je te dise. On va pas t'en laisser pendant 10 ans, hein. Bah non. Il y a un truc à faire. Je vais faire dans le coin un peu de sympa. Parce qu'il y a plus de il y a plus de mission, il y a plus rien, je pense. Si. Pour qu'on prenne notre véhicule, pour qu'on y aille où c'est que j'ai 1000 points. C'est parti. Si on le retrouve. Gentil, ouais. Allez. Ah. Je crois qu'il faudrait peut-être réparer notre. Non. Attends, je vais essayer. Ouais, elle est de bon. Oh non, ça me dit rien, non. Oh, bonsoir à tourelle. Mon point, il est où? J'ai mis un point avant. Ah, mais c'est enlevé. Voilà, vas-y tout droit. C'est bon, je vois les traces. Attends, stop, il y a un otage. Bison. Oh. Il est mort l'otage? Je sais pas. Il a en tout cas disparu, j'ai pas compris. J'arrive.
Tu vois mon point ou pas? Ouais, je vois la route toujours pour l'instant. Ouais, tu vois le tracé bleu? Oui, oui. Mais s'arrête là, le point. C'est ici? C'est ici? Pense. C'est une mission? On a sauvé des otages, j'ai pas compris pourquoi. Je tenais à être le premier à te remercier. T'as réussi à retrouver tous nos disparus. Ah bah on a fini, j'ai rien compris. C'était pas rien ce que t'as fait. Super boulot, officier. T'as compris quelque chose toi? J'ai rien pigé. Ah mais c'était ici qu'il y avait des otages, ok. Le deuxième point était là? Officier, ouais. Bah je le voyais pas moi. Tu le voyais toi le point, moi je le voyais pas sur la carte. Moi non plus. Là il est là le point. Si jamais tu crois que Marshall qui gambade par là, surtout tu l'attrapes. Ok. Ouais. Oh punaise, c'est quoi ce truc? Wow, putain. C'est quoi ce machin? Une mission, c'est ça ouverte, ouais. C'est un truc qu'on doit aller chercher une mission. Faudrait essayer de pas qu'on bute le type là, ce serait peut-être bien. Donc on essaie de trapper plus intelligent qu'avant. Surveille d'otage. Ok. Putain. Putain, ça fait chier, ces bagnards, ces gaillards, ils font que de bouger, bordel. Il vient vers nous. Hop, bon, je bute. Vas-y. Libéré. Il tirait pas des otages. Tiens, ça y est, des otages partout. Les otages partout. Faut que tu nous aides. J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux.
Ça vaut le coup d'aller voir. C'est énorme, hein? T'es où? T'es où c'est que je suis? Je suis là, ben on doit aller chercher le sac du docteur. Ben attends, j'attends la propriété parce qu'il y a plein de gens à libérer donc. Ouais, ben libère-les, moi je vais vous chercher le sac du docteur. Puis il est où? C'est où ce sac? Ben attends, attends-moi. Ben je dois sauter dans l'eau alors. Ben saute dans l'eau. Ouais. Là-dedans? Bah je suis allé salé, moi j'ai pris le curé. Pio son putain de sac dans son cul. C'est bon, je l'ai eu. Allez, on se casse. Ah, parce que là maintenant ça... Oui, oui, oui. Oui, oui, il y a du monde. Oui, oui. Oh putain, hélicoptère. Oh, ce coup de bol. On se casse. T'es où? Il tire avec des roquettes. Et l'hélicoptère, je l'ai eu. Mais il y en a un qui tire avec un lance-mine ou bien je sais pas quoi. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, je suis là. Puis il faut aller où? Il est où le docteur? Faut aller vers lui là, je lui donne une soc. Je sais pas. Tu peux pas y donner toi? Sinon je peux rien faire moi. Donner. Non. Wouah! Faut tirer. Tu as donné, c'est bon? Non, il a dit si on pouvait apporter des trucs à la prison. Attends, y a pas des. Y'a pas une Gatling par là pour des... Non, par contre faut protéger le médecin, y'a du monde partout. Et ben, je protège le médecin, hein. Je sais pas, il est en train de courir là, donc je le suis. Hein. Je sais pas si c'est lui. Oh merde! Oh merde! Incroyable! Je sais pas si c'est toi le médecin. Y'a du monde? Je suis en train de regarder avec le truc pour lancer les bombes là. Apporter le sac de Dr Charles Lindsay. À Lindsay, je pense. Et c'est où? Est-ce que c'est lourd ces missions? Merde. En train de nous cramer! On voit rien, c'est qu'il faut aller, mais est-ce que c'est lourd? Mais le docteur il est mort, hein. Ah putain, c'est quoi que t'as saloperie là? Quoi? Mais c'est pas moi!
C'est quoi alors? Ben j'en sais rien. Allez, toujours dire que c'est moi quand ça crame. Hein. C'est pas moi quand ça a cramé, là pour une fois c'est pas moi. J'suis avec ma Gatling tranquillement. Ouais. Allez, te relève-toi. Vous m'avez sauvé. Voilà. Ah, portez le sac à Linsley, alors on doit partir. Tu vois où c'est que c'est? Où c'est qu'on doit aller? Parce que moi je vois rien moi là. Putain, c'est nul quand même, t'as même pas 10 points pour savoir où c'est qu'il faut aller. Bah c'est lui! Bah c'est ce que j'essaye de faire, j'ai le sac. Mais il y a le point jaune. Sur lui? Bah oui! Écoute, là, je suis tout près de lui, ça marchait pas. Je peux rien lui donner, rien faire. Essaye-toi si tu peux faire quelque chose, moi je peux rien faire. Moi j'ai pas de point jaune, j'ai un point blanc. Ah là-bas on doit aller. Et là le point jaune. Là. Hop. Voilà. C'est bon, je l'ai trouvé. Ah là là. On doit lui apporter une peau d'ours noire et puis une peau d'antilope. Intact. Sur ordonnance, une peau d'ours noir intacte et deux peaux d'antilope intactes. Oh, il faut l'arc. Hein. Bah là, ouais, faut que je change sniper pour l'arc, ouais. C'est ce qu'on doit aller faire maintenant? C'est ce qu'on doit apporter aux gaillards là-bas? Ouais. Bon, bah il faut qu'on aille. Est-ce que tout près il y a une. De toute façon, on doit les chasser. Hein. Donc. Il y a la prison qu'on ne peut avoir des armes. Alors, où c'est qu'on peut avoir. Le plus près, c'est la prison. Hein. Ah bah hop. Trouver une voiture. Allez, ça nous fera rouler un peu. En même temps, on ira vendre nos pots, notre bordel. Est-ce qu'il y a une route par là? Par là, on est perdu au milieu de nulle part. Ah bah ouais, bah si on va dans le mauvais sens, c'est clair que ça va pas le faire. Hop. Hop. Yes. Tu peux mettre un point ce casse de là. Je sais pas si dans le bon sens, on s'en fout, je roule là, je trace parce qu'il y a du monde.
Là, tu vas toi l'opposer, hein. Ah, ouais. C'est bizarre que j'avais mis un point pour la prison. C'est bon ? C'est parti. Ouais. T'as combien de vitesse, quoi, 48? Il sort des fenêtres pour changer la 32e vitesse. T'as un peu de vie qui sort de la fenêtre. Là, il a rechangé, là. Ouais, t'as vu. Jamais vu un quad avec 800 vitesses. Mais on s'en fout tant que ça roule. Ah ouais, bah je m'en branle, mais c'est trop drôle. Encore. Une. Deux. Je vais compter quand même, parce que c'est phénoménal. C'est le quad qu'on a pris que... qui a un plateau de 8000 vitesses. Bah tous les quads ils font ça. C'est trop fort. Dans le jeu. Oh putain, ça nous tire dessus là. Ouais, bah on nous a... Bah je me taille, hein, je me tente pas. Taille. T'es en train de boire toi, donc je veux pas tirer, boire, péter, fumer, chier, ce que tu veux. Deux peaux d'antilope et puis une peau d'ours noir à droite. Alors les antilopes, je sais pas c'est quoi les chopes. Il y a les points jaunes après les choper. Ok. Je les vois sur la map. Mm-hmm. Alors c'est cool. Et... Mais je t'avertis déjà avec l'arc. Ça va pas être du gâteau pour les tuer d'un seul coup, hein. On va tirer à plusieurs coups, mais on a pas le choix. Hein. 8 vitesses. Si tu bois. Oui. Je bois pas, je mange. Tu manges quoi? Un flan au chocolat. Non, t'es tu. Alors... Il faut comment pendant cette prison de malheur qui pue cul à raque. Mais... Ennemi ! Droit devant ! Bien le bonjour, mon gars. Le système nerveux doit déjà être contaminé par la grâce. Ça va ?
Alors, on va déjà essayer de vendre là, on a déjà pour un petit peu d'argent quand même. Oh non, non, ça rapporte. J'ai 1000 balles moi à vendre. Là. Alors, arme, attention. Ha! Faudra mettre à la place de quoi? Pas envie de laisser mon snipe. Alors... Je l'ai plus, je pense, le snipe après. Il est où? C'est un spécifique? Il est où? Mais après, tu le retrouves. Alors, est-ce qu'il y a, est-ce qu'on a un cucul à praline spécifique? Est-ce qu'on a un... comment? Faut aller quoi? Sous l'arc? Où c'est qu'il faut aller? Il est où cet arc? Il est où? Bon, bah... Je le mettrai à la place du snipe, quoi, hein? Parce qu'il faut comme ça protéger. Allez, à tout à l'heure, sniper. Choisir. Je suis dégoûté. Ouais, vas-y, fais-le comme ça. Lunettes. Maniement. Ouais, vas-y. Non! Vas-y, vas-y. Attaché, ça c'est bon. Merci encore d'avoir défendu la prison. Il y a quoi comme munitions dedans? Eh, merci. On a eu du fric. Quoi? La dame m'a donné du fric, j'ai pas compris. Il est 100 balles. La dame. Ouais, la dame là, où c'est que je suis, m'a donné du fric. Bon, tu viens, j'ai engagé 2 soldats avec nous. Attends, laisse-moi faire le plein mes armes, non? Ah oui, c'est vrai, j'ai pas fait le plein, moi. Bah, tu pars là-bas, puis t'as pas de flèche, tu veux faire quoi? Tu veux tirer avec tes oreilles? Oui, t'as fait bien là-bas qui tire? Ah, j'ai pas de flèche, je me fais comment? Bah, je sais pas, on lui court après avec une fourchette, on fait aaaah pour le buter. Oh putain, mais t'es incroyable, toi. Bon. Par contre, il n'y en a vraiment pas beaucoup, hein, des flèches. Hein. On en a vraiment pas beaucoup. Bon, alors, où c'est qu'on toi? Allez! Attends, avant d'y aller, je peux vite aller fumer une cigarette, Seb? Ouais, ouais. Oh putain, change-moi cette radio, putain, oh, radio. Oh, oui, oui. Voilà. Bah je te laisse la place de la conduite. Vas-y, viens conduire. Tu peux peut-être m'y aller, puis moi pendant le trajet, je vais te fumer une petite garette. Ah, tout à l'heure. Ça fait déjà une heure et demie qu'on joue, quoi. Tu te rends compte? Rien vu passer. Ah, tout. Allez, venez, je suis prêt. C'est réconfortant d'avoir un QG avec des murs aussi épais. Poum, poum.
Reste concentré, tu vas y arriver. L'ennemi est par là! Ouais, je suis là. Tu as des appâts, t'en as? Oh, j'en ai plus. Non. Est-ce qu'on a... est-ce que... C'est bon, je peux confectionner. Tu sais, t'as de la drogue là que tu peux prendre pour les animaux, je crois. C'est le vaccin anti-Covid. Tu te fous dans le cul, puis tu vois les animaux. Ah. J'en ai 5, moi. Ça, plus de force. Bon, je vais peut-être monter sur la Gatling. Est-ce que je peux monter? Ah, bah, y'en a un qui tire à ma place. Non, mais. Tu nous fais quoi? On jouera à dîner. Ah, tu t'es mis automatique? Ouais. Non. Je suis en train de fumer une clope. Bon, rendez-vous dans 10 ans, même jour, même on verra quoi, tu verras, autant. Allez, ressaisis-toi. On va au garage là? Oui, parce que le point il est tout près. Pour la carte, regarde. Je fais le chemin déjà là. Ah, moi je le vois pas, moi je dois avoir des bugs moi. Je vois pas les points moi. Bon, bah je dois avoir un petit bug, je pense, mais c'est peut-être que je dois les voir. Moi je vois rien. Il est con quoi? Il fait quoi? Bah il suit la route hein. Enfin, moi t'as pas mis le point dans la cuisine parce qu'on aurait traversé la baraque, on aurait fini dans les chiottes. C'est bon? C'est où qu'on doit aller? Ici? Non. C'est de la montagne mon gars, puis ça me met pas le chemin, c'est pour ça que j'ai mis au garage. Ok, alors je descends, d'ailleurs je vais conduire, t'es en train de monter, t'es en train de fumer. Non, c'est bon. Ah. Bah attends, je suis sorti, Seb. J'arrive. Tu peux, grand. Voilà, entrée. Non, qu'est-ce qu'il fait? Viens devant, tu t'en as rien à foutre de lui, hop. Non, mais je l'ai rentré devant, mais ça ne voulait pas. C'est marqué réquisitionné. L'ennemi repéré ! Ta gueule. Alors, où est-ce qu'on doit aller ? On va à pied ou quoi? Ouais, 400 vas-y. Mètres. Vas-y, vas-y. Si on veut bien trouver un zigoto, bien.
à 12 flèches quoi, ça pue le cul par contre. Ta gueule, protège pas. Putain. Allez hop. Oh, allez, du fric en plus. On a chopé quoi? De l'anus, des serres de peau, de quoi? Deux peaux d'antilope. Il y a des piles partout quoi. C'est... Encore ! Ah, antilope. Elles sont là. Le problème, c'est que... Antilope, elles sont où ? J'en ai vu deux passer devant moi, alors j'ai pas si c'est ça. Putain, y'a un ours noir ! Où ? Attaré, par là ! Vers moi ! Ah. Oh putain ! Eh hey, mais... Alors là je comprends plus rien là. Puis les antilopes c'est des ours qui viennent. Bah oui, puis moi c'est un ours et puis après c'est un petit machin de merde là. Je l'ai eu. L'ours j'ai eu, c'est venir prendre la peau et il est là. Mais j'ai... Bah j'ai dû le tirer à la mitrailleuse puisqu'il m'a bouffé. Où c'est que je suis? Ouais bah il faut du poids intact. Putain mais attends. C'est un problème. Putain mais il a dit... Oh c'est... Ah non mais c'est impossible. On va remplir nos stocks, on pourra pas le ramener. Est-ce qu'il y aurait un vrai animal? Bah c'est tout défaut. Bah écoute, on va monter au point là-haut. Là. T'as des os antilopes. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Ouais bah écoute hein. Putain, ils sont encore rien. Là, une antilope, là, c'est jamais. Où c'est que je suis? J'ai réussi à prendre les peaux, c'est bon. Là. Tu l'as eu, comment, la mitraille? Ah bah, c'est l'ours qui l'a tué. Ici. Avant qu'elle disparaisse. Bon, qu'est-ce qu'on doit... Bah, on a fini déjà. On a déjà fini. Rejoignez les labos du docker Charles Lindsay. Bah, on a réussi. Je comprends plus rien. Attends, je vais t'aller vendre... Ah, mais pour se protéger, regarde. Il fallait aller là-dedans. Les tirer depuis là-haut. Attends, il y a la dame, là. Boutique. Attends, à droite la femme, je vais reprendre mon sniper. Je crois qu'on a plus besoin du machin, là. Qu'est-ce que... Alors la peau de l'ours, faut pas la vendre, hein. Bah moi, j'ai pas pris la peau de l'ours, hein. Bah moi, c'était marqué bon, j'en ai vite fait maintenant. Bon bref, je reprends vite mon snipe, ça te dérange pas? Parce que avoir le petit guigui qui pue le cul là, ça m'intéresse pas trop. Voilà, merci. Bon. C'est mon sniper qui est revenu. Oui. C'est quoi ce bordel? Alors. Rejoindre. Quoi? Qu'est-ce que t'as tiré, abruti? J'ai pas tiré, arrête-toi! Mais je dis pas à toi, je dis à l'autre, là! Ah. Bah, je sais pas, il a vu. Il a cru que c'était méchant, c'est ce que je te dis. Je crois que le
Il y a des animaux partout, moi je vais encore faire quelques trucs. Hein. Viens, connasse. Viens, viens, viens. Bye bye. Viens. Allez, encore une peau. Allez, piller, hop. Là, viens, viens, Charogne, viens, vas-y, viens. Viens. Là aussi, peau. Tac, c'est un peu du fric. Allez, au revoir. Parce que là, ça pop, mon pauvre. Il y en a partout, quoi. C'est l'orgie. Des ours, des ours, des ours, des ours. Bordel, je suis en train de tout buter. Oh là, il y a des peaux partout, les animaux, ça fait buter partout. Il y a au moins 5 à terre. Allez, hop. Là, ici. Ah, le rejoindre l'INSEE à combien? À beaucoup de kilomètres. Donc on va essayer de rechercher notre voiture. Je compte sur vous. Sur quoi tu vises quoi? Là, là, tu vois pas, t'es aveugle? Là, là, dans le cul. Tiens. On est là, autant faire le plein. Là, moi j'en ai une chier, je crois. Comment est-ce que tu peux voir Inventaire. Inventaire, et on doit, moi je dois monter jusqu'à 10, je crois. J'en ai 6. J'ai 8 peaux de loup. 8 peaux de loup. 2 de lynx. À vendre. Et puis, peaux d'antilope, j'en ai 6. J'ai 2 peaux d'ours. Mais bon, faut les garder pour aller les donner à l'autre connasse. Mais moi j'ai 3 peaux d'antilope et 3 peaux de loup. C'est tout ce que j'ai. Ben moi j'ai le l'ours, alors on va les donner. Parce que marqué maintenant rejoindre le labo de Charles Lindsay. Alors on va aller. On va regarder ce qu'il y a la route. On va rejoindre un peu la route. Alors c'est où la route? Ici. Et on retrouvera un véhicule. Hop, c'est parti. Là-bas. T'es où? Je suis là. Ah, nickel. Oh putain, le saut. C'est bon. Attends-moi. Je derrière toi. Voilà. Bison. Bah, bute-le. Il est où? Où? Oh, c'est un faux. C'est bon. Où? Quoi. Mais elle est partie par là-bas dans le bois, à gauche. Oh, alors, oublie. Ah, oh, puis c'est l'autre qui est monté avec toi. C'est l'autre trou du cul qui est monté avec toi. Réquisitionné. Tu peux t'enlever, s'il te plaît? Merci. Et bon. Le point. C'est qu'il faut qu'on aille. Moi, je le vois pas, moi. Tu auras un problème, moi, je vois rien de ces points du tout. Je sais pas où c'est que je dois aller, c'est qu'on doit aller. Ah bon, on peut faire un déplacement rapide où c'est qu'on était. Non. Il est où? Ah là, j'ai quelque chose là, moi, ici. Ouais, j'ai trouvé, moi. Tu veux... Alors, tu sais quoi aller? Non. Tu l'as vu?
Si tu me laisses conduire, si tu le vois pas. On peut faire des déplacements rapides, je sais pas. Bah ça sert à rien, il faut qu'on découvre un peu la carte. Oh, vas-y. Allez, viens. C'est derrière la route, c'est par là je pense la route. Protégez-moi. Je crois que je conduis super. Putain. Je crois que je conduis super bien. J'ai trouvé la cible. Allez, vas-y, quad 36 000 vitesses. Avance. Oh, mais t'es incroyable. Oh putain, mais non, mais... C'est vrai, dès que tu fais 2 mètres, tu fais... C'est pas on a explosé. Alors là, je suis désolé, j'ai pas compris là. Alors là, j'ai pas capté du tout. J'ai arrivé contre le mur. Je suis arrivé, je roulais, boum, explosé. Ok. On va mourir quoi que ça je dis. Allez, vas-y, avance. T'en es où là? Moi j'ai jamais le point, alors faut que tu sors parce que je sais pas si tu le vois mon point. Faut faire demi-tour. Pas joué à tracé bleu, c'est toi qui est avec moi là sur le quad? Ouais ouais, c'est moi, c'est moi. Ouais, bah on est tout prêt. De là. J'essaye d'être plus malin, fiston.
C'est pas facile. Ah, juste. T'es où? Quand tu pars dans la prison, tu vois tout droit. Ouais. Voilà. Vous avez réussi. Je peux pas y parler, moi. Vous avez trouvé facilement? Oh, moi, ça m'aurait pris des mois. Les anges de Face sont de vrais zombies. On les ramènera plus après une dose de grâce pareille. Mais avec ce truc, on devrait pouvoir les rassembler pour les mettre à l'écart. Quand ce sera prêt, est-ce que vous pourriez aller faire un test sur le terrain? Je suis sûr que ça marchera. Je suis sûr à 95%, disons. Mais il faut qu'on soit certain. Bon, bah on va aller vendre ce qu'il nous reste, hein, parce qu'on a 18 milliards de pots. Là, on va gagner un peu des sous-sous. Hein. Vas-y, trop de balles. Ah ouais! Ah, le jackpot! 3500 francs! Ah ouais, le jackpot! Allez, tout vendre. 3250 balles. Allez, jackpot, hop, faire le plein du cucul à praline. Allez, hop. C'est bon. T'as aussi des trucs à vendre? Je vais. 30 secondes. Je reviens, c'est bien. Alors. Bon, j'ai reçu une bénédiction. Je crois que la nana n'est pas très contente. Pourquoi? Parce qu'elle a dit je vous laisserai pas. Machin là. Des importunés ou c'est pas trop quoi là. Yeah. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle veut? Et puis là, il y a. Il y avait un truc avec des étoiles. Il y a marqué vous avez reçu une bénédiction. Ça veut dire que je vais bientôt être shooté, prêt de capturer. Ok. Puis maintenant, est-ce qu'on a une mission à faire, quelque chose? T'as reçu des sous? T'as pris des sous avec la bande de peau? Ben, je suis arrivé à 900, c'est tout, ouais. Ok. C'est réconfortant d'avoir un QG avec des murs aussi épais. Est-ce que bon. Toi t'as un truc spécial dans tes atouts pour les pots pour que tu puisses les vendre plus cher? Je sais pas. Ah! Sur quoi on voit ça? Alors, dans le talent? Alors, rien voir, parce que moi, c'est peut-être pour ça que je les ai par deux, moi. T'as une peau par une peau, toi? Ouais. Ah non, moi, dès que je tue un animal, j'en ai deux de peau. Alors, c'est quoi? Roi de la jungle, des prédateurs, l'exception des juges, attaque de prêter l'ennemi proche, la proie. Non. Les chalumeaux ajoutés. Non. C'est quoi ça? Marché noir, les explosifs. Non. Non, j'ai pas de quoi ça vient. Mais toi t'as quoi comme point de talent? De talent? Alors j'ai
Poisson humain, vous pouvez nager plus vite, bon bref. Là je pourrais mettre roi de la pêche, mais je l'ai pas mis. Les poissons ça fatigue plus rapidement, débloquer des nouveaux leurres, machin, ça je l'ai pas mis. J'ai chalumeau, et puis j'ai roi de la jungle, tout en haut. Ensuite j'ai maître du butin, à double butin des plantes et des animaux. Voilà, c'est ça qu'il faut mettre. Dans quoi? C'est tout en haut, et puis c'est un gros diamant. Il faut... Point restant... Il faut 8. C'est maître du butin, survivaliste. Double le butin que vous recevez. Des plantes et des animaux. Pas assez de points, j'en ai 7, puis il en faut 8. Alors celui-là, faut que tu le mettes, parce que alors là, j'ai gagné... Moi, j'avais gagné 3... J'avais gagné, moi, j'ai dit avant 2500 ou 3500 balles. Oh, c'est à cause de ça, alors. Voilà pourquoi j'aime à chaque fois 2 ou 3 pots, puis toi pas. Ok. Bon bah je comprends maintenant. Bon, dès qu'on doit aller alors. Mais si, il y a 2-3 missions à activer. Bon bah on peut essayer d'en faire une. Officier, comment allez-vous? Écoutez, très bien, et toi? J'ai un service à vous demander. Vous avez entendu parler d'un certain Finet? Il était pharmacien dans notre ville. Des tas de gens l'admiraient. C'était un pilier de notre Rangamissa. Désolé, je me croyais seul. Faites attention avec ça. Dès que je vise, il s'énerve. Enfin, vous avez entendu parler d'un certain Finet? Il était pharmacien. C'est chiant, ça recommence le truc. C'était un pilier de notre communauté. En gagner ça. Désolé, je réfléchissais. Ok. Vous avez entendu parler d'un certain Finet? Il était pharmacien dans notre. Putain, mais t'es chiant. Mais je vise pas. On parle de la mission, si tu peux comme ça. De notre communauté, mais. En réalité, je ne vise plus là. Dealer. Finet est avec la secte maintenant. Il a aidé à créer la grâce. Il paraît qu'il est à la serre des Jessop. C'était un atrium splendide avant. Mais il y a bien longtemps. Maintenant, Finet s'en sert pour son poison. Il l'a qu'est-ce que tu fais toi ses fleurs. T'as lâché une caisse que tu fais comme ça. Si ou... vous alliez là-bas et que vous brûliez tout, je parie que Finet se pointerait. Ah, on doit tout brûler. Pris de panique. Ah, ça c'est pour moi ça. Ça me plaît pas, monsieur. On doit les bêcher. Mon seul mot. T'en as un? Bah ouais. Ah, c'est une mission pour moi. Les côtelettes sont prêtes. Parce qu'en fait, il a dit brûler tout. Bah, je pense que t'as pas compris parce que tu faisais tellement le con. Deux. Non, bah en fait le problème c'est que dès que tu pointais l'arme sur lui, il faisait ça me plaît pas. T'es là, oui bah calme, je tiens mon arme tranquillement, tu veux que je fasse quoi? Ça me plaît pas. Oui, c'est bon, pète un coup. C'est bon? Attends, je vais le renvoyer, c'est... Ouais, parce que lui est lourd, il commence à me saouler. C'est bon? Pour tout brûler, on prend le type aussi avec nous, avec toi en chalumeau ou pas? Il y en a un en chalumeau? Ouais, on peut, ouais. Ah ouais, là, ouais, ok. C'est le type, là, avec les machins, là. Il y en a un? Ah, le fou, là?
Ouais. Ouais, vas-y, vas-y, prends-le. Parce que j'ai mis le point, on peut y aller, si jamais. Allez, hop, quad, c'est parti. J'arrive tout de suite. Je viens de déposer les gamins à la piscine. Du coup, je voyage. On prend quoi? On prend la grosse bagnole. Il y a un K4-4. Bon, bah merci ma poule. Allez hop, qui vient de me suivre? J'adore les belles balades. Ça, c'est qu'est-ce qu'il fait? Oh, un torticolis. Je trouve qu'il y a un sacré boulot. Putain, se marre bien quand elle accepte le jeu. Oui, il est rigolo, hein. Lâchez ça tout de suite. Non, mais avant, en fait, je le pointais, puis qu'est-ce qu'il disait? Je comprenais pas ce qu'il disait. Il disait quoi? Parce qu'il n'est pas mis trop fort, parce que... à cause des voisins. Oh, bisous. Oui, bah écoute, c'est ta info. Qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il disait quand je le pointais? Lâchez ça tout de suite. Après, il dit... Ah, excusez-moi, je dois réfléchir. Ok. Le fou l'autre il tire là comme je sais quoi. Mais laisse le on s'en branle. Parce qu'après si je mets trop fort on entend tirer dans toute la baraque. La soirée c'est bon. Là tu veux se demander ce qui se passe dans mon appartement. Ah parce que tu m'entends juste parler, t'as pas le son du jeu dans ton casque. Ah non jamais, non j'ai toujours. Non. Je vais aller à la télévision, puis après le cas j'entends plus rien. Il couvre bien la tête, on entend plus ce qu'il dit. Heureusement que j'avais un slip d'or. T'as tout toi, t'as le son de la 2 mois, plus en plus la musique dans le casque. Ouais. Oh non, moi ça je peux pas. Je viendrai sous. Qu'est-ce qu'il fait? Non mais l'autre c'est complètement fou. Non mais moi je mets tout dans mon casque, toi on sait jamais avec ce duo, toi c'est pour ça que je mets tout dans mon... Oh. Bah écoute, moi je m'en fous, je sais bien qu'on m'entend aussi, mais bon... Je vois pas trop fort la télévision, donc c'est vrai. Elle est tarée le type, hein. Il est complètement à la masse. On arrive bientôt, 300. À chaque fois, il tue quelqu'un et il est. Ouais. Oui, il est incroyable. C'est une machine. Il tue quelqu'un. Ouais. Bon, on arrive gentiment, on est à 100 mètres. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai une bûche. Je crois qu'on veut gentiment aller à pâte, hein. Ah, ça n'a pas poste en plus. Oh, chut. Tu peux pas monter sur les... Si. T'as vu que c'est un avant-poste? Ah bah, on va essayer de le faire gentiment, là. Bon, mec, d'autres tarifs, je pense pas, hein. Alors moi je peux déjà buter un peu du monde, mais gentiment. J'ai des couteaux là de lancer, ça fonctionne bien. Hein? Coucher, pas bouger. Fais gaffe. C'est toi qui as tiré? Non, il y en a qui nous a vu. Ouh. Bon, à l'attaque, comme d'hab, c'est parti. Derrière nous, c'est... Voilà. T'en peux jamais faire en finesse quoi.
Les alarmes sont ouf. C'est quoi qu'il faut cramer? Merde, putain, buté à mort. On peut pas arrêter cette putain de flotte là qui tombe sur ces trucs. On les allume. Comme il y a de l'eau dans l'île serre. Mais j'essaie. Mais il avait dit brûler tout, alors moi je... J'essaie de brûler tout, c'est ce qu'il avait dit dans sa parole. On a fini, hein, on a libéré l'avant-poste, on a fini la mission. On a libéré l'avant-poste. Parce que la mission, ils disent qu'il faut tout brûler. Alors moi j'ai pu brûler une serre, mais après il tombait de l'eau dessus, donc bah ça brûle pas. Brûler les champs de grâce, 1 sur 3, bon, alors il faut qu'on trouve comment arrêter, essayer de brûler. Ça a pas l'air de marcher, hein. Est-ce que on peut arrêter l'eau? Il y a peut-être un robinet ou un truc à désactiver. Ah, j'ai trouvé. Voilà, j'ai trouvé. Et moi, là, ça coûte tout. Alors, je viens. Où c'est que tu sais qu'elle est ta serre? L'autre côté, là-bas. Il est là, le robinet. Là. Là. Ici. Et hop. Attends. Là. Ah, vas-y, va butcher. Putain, y'a du monde. L'avant-poste est à nous, puis y'a du monde qui arrive nous buter, quoi. Éliminer Finet, c'est qui celui-là? T'es tchou, non t'es tchou, t'es tchou. On se retrouve là-bas.
Il est là. Hélicoptère. On me dit par contre à le suivre, bien. On me dit non, par contre à le suivre. Miné. Quelque chose pour les suivre. Il y a un quad là. Attention, il est trop loin de l'objectif. Bah oui, 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 bah oui, bah. Que où ? Bah viens avec moi. C'est bon ? Je vois tout trouble, elle va me capturer. Eh ben moi je vois rien. Je sais pas c'est qu'il faut aller. Je suis au bol, on va. Un avant-poste, putain. Ah bah je m'excuse mais je vais finir la mission, on viendra après. Il est où, cet enfoiré ? Ici ? Wow, vous l'avez bien eu. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Je sais pas, c'est un truc là. C'est la nana qui nous a capturé. Faudra qu'on la bute après celle-là, parce que j'en ai marre de voir des fantômes puis des machins, quoi. Elle est pas un peu chiante à buter, elle ? Je sais pas. Tu ne comprends pas ce qu'on essaie de bâtir ? Ou bien ça t'est égal ? Je te vois courir dans tous les sens et t'en prendre à des gens qui ne t'ont rien fait du tout. Ils sont en paix ici. Ils veulent y rester. Je sais bien que tu as des doutes. Mais cette histoire n'a qu'une fin possible. Et tu ne pourras rien y changer. Tes amis au dehors. La peur les contrôle. Ils ne comprennent pas. Mais lui, oui. Il te montrera. Salut, gamin. Allez. Allez, ça va aller. Je sais que tu es venu me ramener. C'est bon. Elle sait. Tout le monde sait. Il est mort, lui. On l'avait buté au début. Non, il n'est pas mort. Il est prisonnier de la grâce pour le ramener à la prison vers le shérif. Ok. Mais c'est une mission, mais là on n'a pas encore fait celle-là. Jamais.
Est-ce que tu as déjà pris le temps de réfléchir au sens de ta vie? Je veux dire, au sens que tu lui as donné. Tu sais, on nous dit qu'on peut devenir tout ce qu'on veut, pas vrai? Chanteur populaire, sportif émérite, star de ciné. Le succès est à portée de main, quoi. Mais non. C'est des conneries. On a des vies sans aucun intérêt. On fait seulement ce qu'on nous demande de faire. Encore et encore. Tout le monde pense pouvoir faire des choix. Mais c'est faux. C'est quand la dernière fois que t'as fait quelque chose par choix, hein? Juste pour toi. Oh non. On vit pas nos vies. Mais la leur. Et on croit tous être libres. Mais ça, c'est qu'un mensonge. Une illusion. Putain de merde. J'en ai vraiment ras-le-bol de tout ça. Je te le dis, moi j'ai plus du tout envie d'obéir. Je refuse d'accepter sans broncher. Et je veux plus être celui qui ramasse les ordures. J'en peux plus. Parce que... Il y a des papillons si sur lui. La vie, alors, à quoi bon? Ici, j'ai enfin eu l'occasion de ressentir ce que je ne pensais jamais pouvoir connaître. Le bonheur. Parce qu'en fin de compte, c'est quand même bien ça le plus important dans la vie. Le bonheur. Parce que là, ce qu'on fait, c'est pas des missions principales ? Maintenant, il faut pas que le Marshall franchisse ses portes. Ah oh, putain, on doit prendre le Marshall. Bah oui, je cours, moi, j'ai de courir, mais. Récupère le Marshall, vite, tu dois le sauver. C'est ce que je fais. Ah putain, on tranquille. Peut pas courir. Laisse-le tranquille. On marche comme des zombies. T'as pas remarqué ça? C'est bon. Tu savais pas que moi j'ai couru après moi. J'ai réussi. Comment? Moi j'arrivais pas. T'as pas réussi? Bon, j'ai marché derrière puis j'ai capturé avant qu'il traverse la porte. Mais est-ce que ça tombe? Que ça rouille. On va faire les grillades. Si on peut les faire, hein. De quoi? C'est mon petit avant toi, là. Oh non, mais moi j'ai déjà mangé ma poule. J'ai déjà mangé. Bah, si tu veux aller chercher les grillades, je viens boire l'apéro après de toi. J'aime pas si j'ai encore un fond de quelque chose. Attends, on va voir ce que ça donne. En ayant le Marshall. Je sais plus comment ça se passe. Je sais plus non plus. Tout va bien. Merde, Tracy, ramène-toi avec la chasse. Du cas, Burke, regardez-moi. Laissez-vous ça. Vous ne sortirez pas de la grâce comme ça. Si. Mais si. Je peux. Chef. Très bien. Vous en prie. Allez. Je suis clean. Tout va bien. Laissez-moi tranquille.
Très bien, allez-y, allongez-vous. On reste calme. L'histoire est pas mal, hein, quand même. Hein. L'histoire est vraiment cool. Vous la connaissez pas. Elle peut rentrer dans votre tête. Méfiez-vous de lui. Je vais lui parler. Confortant d'avoir un QG avec des murs aussi épais. En fabriquant mes munitions, c'est la meilleure idée de ma vie. Tel est où le shérif? Le marshal? Il est plus là? Ah, s'il est là. On le bute? Si tu me balades la tête, toi, ça fait quelque chose? Ah ben merde alors! J'en reviens pas que t'aies pu sortir le marshal de la grâce. Face va pas se laisser faire. Elle va se rappeler à ton bon souvenir. Sois sur tes gardes. L'autre mission, on l'a fini ou on l'a pas fini alors? Je comprends plus rien, moi. Alors... on l'a fini. Ok, il nous reste encore des missions ici à faire. Une mission pour le docteur, là. Ok. Vas-y, va essayer d'y parler. Moi, je vais essayer de le... Tu peux y parler ou pas? Ouais. Bonjour, monsieur. Chaque chose en son temps, hein? Non, je peux pas, moi, activer les missions, non. Attends, j'ai interrompu le truc. Il réessaye? Non, tout va bien. Hé, hey, qu'est-ce que vous faites? On est rentré là. Hein? Oula, qu'est-ce que vous faites? Essaye d'y parler, moi j'arrive pas. J'ai pas eu beaucoup de succès ces derniers temps. Mais là, rangez votre arme. Vous faites une grave erreur. Vous avez pu dormir? Moi non plus. Alors, j'en étais où? J'ai pas eu beaucoup de succès ces derniers temps. Mais là, ça va tout changer. Je dois seulement faire des tests pour m'assurer. Hé, qu'est-ce que vous faites? On est rentré là. Chaque chose en son temps, hein? Vous êtes là. Ok. Je dois seulement faire des tests pour m'assurer que ça marche. La secte envoie ses anges cueillir les fleurs de grâce dans une ferme près d'ici. C'est là qu'il faut aller. Oula! Qu'est-ce que vous faites? Oh, bon, alors. Au fait, qu'est-ce que vous faites? Oh on putain! Est là. Vas-y! Alors, j'en étais où? Au fait, ces monstres ont facilement peur. Allez-y discrètement. Placez l'appât et mettez-vous à l'abri. Je suis sûr à 75% que ma formule est correcte. Alors, bon, pas d'imprudence. Ah, on doit faire de l'appât pour eux. Officier, tout est prêt pour un essai. On doit faire quoi? De l'appât pour les zombies, là. Ça. Ça derrière toi, ramasser. C'est un espèce de truc... Qui va les attirer, je crois, mais faut pas lui faire peur. Oh, comment faut faire ça alors? Rejoignez la ferme. Rejoignez la ferme, il l'a fait, faut juste rejoigner la ferme. Mais attends, je dois vite aux toilettes. Vas-y, vas-y. T'as fait du super boulot à la prison. Merci. Alors, putain. Tu l'as gagné où celui-là?
30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. Hein. Ah, mais arrêtez là, je suis votre ami. Attends. Ouais. Ah. Tu fais quoi? Écoute, j'ai regardé trois petits trucs là parce qu'il y a des armes de poing qui chient plutôt pas mal. Il y a un gros magnum et puis je crois que je vais l'acheter, je vais me faire plaisir. Hop. Et puis, ouais, je vais l'équiper. Voilà, d'avoir un gros flingue qui tabasse. Magnum 44 ? Exactement, ouais, qui tabasse bien ça. Tabasse bien. Je vais prendre en rose. Lequel, le L ou le normal ? Oh, j'en ai qu'un, moi, de Magnum 44. J'ai le L. Il y a aussi des mitrailleuses aussi qu'on peut mettre à la place du flingue. Parce que je préfère avoir, je voudrais presque avoir un truc, c'est mais un tir de fusil à pompe, mais on l'a pas, il est verrouillé. Qu'on peut mettre niveau 5 de résistance, coup de confondu. Ok. Donc celui-là. Moi j'en ai un de fusil à pompe là. Ouais, mais j'aimerais le mettre en mode. À la place du pistolet. Alors. Acheter. Ensuite j'ai. Putain, j'ai des. Oh, les viseurs! Mais ça fait chier, moi, c'est que le petit magnum, quoi, j'ai pas le gros, je peux pas me l'acheter, j'ai pas assez de sous. D'une aide de tireur d'élite sur un magnum? Non, on va prendre un truc qui arrache. On va mettre là. Alors, on va voir si ça chie. On a enfin pu récupérer notre collier. Il y a combien de balles dedans? Ah ouais! Ah ouais! Ok. Bon, bah 80 cartouches en plus, pas dire non. Là, ça fait mal. Oh, le bruit! Oh, j'ai une érection avec le bruit, quoi. Oh! Bon, ça fera une arme supplémentaire qui arrache un peu plus parce que moi je peux mettre. J'ai 1, 2, 3, 4. Ah ouais, donc après je pourrais foutre un fusil à pompe à la place là. Ah, je peux te regarder parce que je peux mettre un fusil à pompe. J'ai rien envie de voir un truc. Hein. À la place du flingue, peut-être que je peux mettre un fusil à pompe. On va voir parce que j'en ai un. Ah, mais faut pas rêver, je pense pas. Fusil à pompe, oui, j'en ai un. Mais est-ce que je peux mettre à la place du flingue? Non, je peux pas. Il va bien l'autre débile là! Qu'est-ce qu'il y a? Mais il prend son 4x4, il recule, puis il tape dans la grosse porte de la prison! En avançant! Il est motivé à foutre la merde! Bon! Alors, la suite! Moi, la place. Dans mon lance-flamme, je peux mettre la pompe? Ah, bien sûr que oui! Oui, bien sûr! Bien sûr, sauf que moi, je peux tout avoir en fait! Et à la. Comme fusée à pompe, je peux en mettre un à la place du pistolet. C'est une sorte de pistolet avec deux canons, bien un pistolet à pompe, quoi. Ça se dit. Ah oui, j'ai vu l'arme avec le double canon, là. Ouais, alors, je veux dire, t'es dedans, nous... Casse-toi ! Oh ! Bah pourquoi qu'on me tue ? Bah j'en sais rien ! On me tire dessus aussi ! Bah... C'est ton magasin! Non, mais sérieux, quoi! Même nos amis qui nous butent! Oh, c'est trop fort, Jacques! Non seulement tu te débrouilles, mais t'as la classe! Ouais, qu'est-ce qui se passe? Youhou! Merci encore d'avoir défendu la prison. Je peux pas jouer? Ah, j'ai bugué là alors. Oh, le bug. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Ouais, là j'ai bugué là. Je vais voir si je peux donner un coup de. T'as toi rien prouvé! Avec le machin. Ah, monsieur! T'es où? Ben, je suis plus là! Je te suis en caméra derrière! Pourquoi? Ben, là en fait, je suis derrière toi, je te suis!
Je suis en mode caméra qui te suit, je sais pas comment t'expliquer ça. Appuie sur c'est bon. 3. C'est bon, voilà, je sais pas ce qu'il y a eu. Ouais, je vais juste à la cour aller voir, c'est bon? Il veut pas nous buter cette fois-ci? On peut y aller? Merci. Alors, boutique. Ah, mais c'est trop de la merde pour viser. Lequel? Mais tu vois rien, le double canon là, ce qu'on disait. Ah, tu l'as toi? Ben oui, mais je vois le gros flingue devant ma vue, mais je vois rien. Tu peux pas mettre des viseurs avec? En fait, faut prendre ceux qui font plus de dégâts. Moi j'ai le Magnum 44 qui fait pas mal de dégâts. Ah, moi je l'ai pas le double canon. Moi je l'ai pas celui-là. J'ai un Magnum. Attends. Mais putain, je suis bloqué. Allez, dégage de ces riffs là. Ouais, ils sont chiants, bute-les. Tu vois ça comment les dégâts, moi, c'est pas je. Ah, excuse-moi. Tu vas sous les armes, c'est marqué dégâts, puis il y a 7 à côté. Précision 6, dégâts 7. Ton double canon, par exemple, il fait 7. Puis le mien, des dégâts, bah il fait 7. Il fait même dégâts que celui-là. Ce qui fait plus de dégâts, c'est le gros dessous, là. Le M79. Il fait 9 de dégâts. Il a une chier de portée, par contre. Il a pas une cadence de tir énorme, alors il fait 9 de dégâts. Enfin, c'est un fusil à pompe, ça. Même un fusil à pompe, ça pas autant, je pense. Tu te rends compte? Ben moi, le fusil à pompe, il fait autant, il fait moins de dégâts que mon pistolet que j'ai, là. Ben moi, le... Que mon Magnum. Il fait 7 de dégâts, et un fusil à pompe, il fait aussi 7 de dégâts. Si tu veux prendre un truc qui tu tues, c'est celui qui est en bas là. C'est un, le M79 mais verrouillé. Je sais pas ce que c'est. Gagner 6 niveaux de résistance, toutes régions confondues pour débloquer cet objet. De quoi? C'est dans quoi comme. Pistolet. Le M79? Mhm. Mais il est verrouillé. Ah bah il est déverrouillé. Pourquoi j'ai toutes ces armes qui sont verrouillées moi? Que j'ai pas fini le jeu. Alors, fusil à pompe, j'ai plein d'armes pas déverrouillées. Oh putain, ah ouais, ok. Alors, le fusil à pompe, ils font pas beaucoup de dégâts. Hein. Mon pistolet, il fait plus de dégâts. Il fait le même dégâts qu'un fusil à pompe. Ah, c'est bon, je garde mon Magnum. Quand j'ai que celui-là, il ira très bien. Enlève-toi, prends tir dessus, puis après tu le tues tous. Dégage. Ouais, mais moi, ma grosse Gatling, elle fait que 7 de dégâts, je trouve pas d'autres. Hein. Grosse Gatling. Ma grosse mitrailleuse, là. Je pourrais avoir des plus puissantes, mais il faut que j'aie de l'argent. Oui. On sait comment avoir de l'argent, quoi. Mais. Le problème, c'est que. La mienne, elle fait combien la mienne, celle que j'ai là? M60, équipée, moi, 7 de dégâts. Bon, ça me va. Il y a une qui fait 6. J'en ai une qui fait 7 de dégâts. Le bazooka, 9. Le lance-flamme, 8. Ah ouais, il fait des dégâts, le lance-flamme. La canne à pêche, elle fait beaucoup de dégâts aussi. la canne à pêche. Mais là, j'ai un fusil à pompe qui fait 7 de dégâts. Ouais, bah mon pistolet aussi fait 7 de dégâts. Moi, j'ai mis laquelle alors? J'ai la M60. On peut pas avoir nos armes qu'on a quand on va dessus. M60. Si, c'est la M60. Je sais même pas pourquoi j'ai pris celle-là en fait. Enfin, parce qu'elle a plus de dégâts que les autres. Ouais, peut-être c'est ça. Mais mon fusil de précision, il fait 9 de dégâts. Bah comme c'est le même... Ouais. Ah, il fait 9, ouais. Non.
Dégâts 6, bon. Dégâts 6, ouais. Bon bah c'est la même 60 qui va mieux. Dégâts 9. Dégâts je veux dire 7. Ouais, c'est nickel. Bon bah je reste comme ça en plus, j'ai un putain de flingue qui fait fusil à pompe, là il va super bien. Bon. Oh Max, excusez. Bon attends, je peux regarder ce qui fait des dégâts parce que. Merde, je viens de penser à un truc. L'antigel, ça finit par périmer, non? Parce que j'en ai pas. J'ai cru que j'allais finir en fantôme. On a enfin pu récupérer notre. Mais genre les. Comment les canons, tu peux pas les modifier, hein? Ah non, je crois pas. Ils sont en train de tirer dessus là. Non, mais vous êtes fous, bien. Putain, ceux qui nous accompagnent, ils nous cassent les couilles, quoi. Ah, mais. En précision, le double canon, il a deux, hein. Ah ouais, il ça a pas. Ça sert à rien. Bah, c'est quand t'arrives dans un bâtiment, puis que c'est boum, quoi. T'as le bâtiment, t'arrives à un mètre, BAM! Puis au revoir, quoi. Et alors, celui qui a un canon, il a quoi comme précision? Enlève-toi! Mais putain, mais là, ils sont trop lourds, hein. Ils sont les trois devant la porte, je peux plus rentrer maintenant. J'ignore combien de temps on tiendra. Boutique. Alors, arme. Oh, précision 7. 2. Ben le mien, je crois que c'est celui qui va le mieux, hein. Lequel? Précision 7, dégâts 7, portée 6. Oh, on est pas mal. Bon, on a pas beaucoup de cadence de tir. Maniement, une chaîne maniement 8. Bon, écoute, je crois que j'ai au bol, j'ai pris le meilleur. Mais lequel? Ton magnum? Ouais, le 44 magnum L, là, ouais. Ah ouais, c'est le meilleur. Écoute, en fait. Il faut que j'aille me chercher de l'argent, il faut qu'on aille faire ces cages survivalistes et puis que je me l'achète, hein. Les cougars n'ont que des éloges. Ah, il y a soit ça, soit il faut combien pour l'avoir? Comme disait mon daron, tant qu'on ne chope pas. Il faut combien pour l'avoir? Je me rappelle qu'au début. Il faut combien pour l'avoir? Attends. Oui, vous. Mais ils sont 5 autour de nous là, on n'arrive plus à rien. S'il vous plaît! Il me faut les 1325, j'ai 969. Bon. Pour l'acheter? Ouais. Bah, faut qu'on aille faire un petit coup de chasse. On prend deux pots et puis c'est bon. On va faire un peu de pêche et puis c'est bon. En plus, ça ne coûte rien. Attends, la pêche. Je vais enlever ces types, on fera que les deux tout seul parce que j'en ai marre. Y'a pas un coin d'eau là, tout près? Si, y'a de la flotte là à côté de nous. Bon courage et tout ça quoi. Allez, hop, on va voir si on peut aller pêcher. Y'a pas de la flotte là? C'est quoi, c'est des routes ou c'est de la. Il y a de la flotte. Pas de flotte. Je vois la route puis de la flotte. Je suis plein ou bien? Ah mais quel con. Dans le bon sens moi. Oui c'est dans le bon sens. Alors je te garantis rien. Regarde, un petit spot là, hop au bord de la plage. On va regarder. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Allez hop.
commence à pêcher. T'as quelque chose, toi? Moi, j'ai rien. Je lance vachement loin, après je tire gentiment. Je laisse venir. Voilà, ça j'ai accroché. Hop, bah écoute, il viendra à ma place si t'arrives pas à les avoir. J'ai déjà accroché deux là. Hop, voilà. Viens de mon côté alors, viens à ma place. C'est bon, j'en ai eu un. Un. Oh merde, il a lâché le salopard. C'est pas toi que j'apprends à pêcher quand même. Hein? Un petit peu tranquille, hein, ça fait du bien. Ouais, puis surtout ça, c'est quoi, c'est 100 balles de poisson, je crois. Donc, Ouais. T'auras un peu de fric. Tant que les tarifs viennent pas nous faire chier, c'est bon. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Exactement, ouais. Après, j'en prends un poisson. Après, ce qui rapporte aussi une chier, c'est. Faudra que tu aies des points de. C'est quand que tu as tes points de talent là pour doubler le truc. Comme ça, après, dès que tu as une peau, t'en as deux, et puis ça rapporte la peau d'huile. Alors là, après, t'es le roi du pétrole. J'ai chopé combien? Je sais pas. Inventeur. 8. Quatre. Ah, c'est sympa, il y a aussi de la paix, ça c'est sympa. Tu savais pas?
Tu aimes pêcher comme ça dans les jeux. Je peux te conseiller des jeux de pêche de simulation, hein. Ça existe. Oh, mais bon, ça c'est simple, ça. Les autres pêches, il faut commencer à mettre des plombs, du bordel, et puis à savoir quel article il faut embrocher pour que le machin il bouffe. T'as un canard, toi? Ouais. C'est trop compliqué, après. C'est des jeux ultra compliqués, non? Non. Est-ce que ça tombe? Est-ce que ça tombe? Ah! Ah! Tu préfères quoi avec ton jeu de simulation de pêche? La pêche des poissons. C'est dur? Ça a quoi prendre après ça? Combien maintenant? J'en ai 10. Je vais aller voir s'il n'y a pas des animaux dans le coin. S'il y a un truc de chasse pas loin, ce serait cool. Non, non. Si! Oh! L'ours tout près! Viens! Viens, enculé! Viens! Loin de vos partenaires, revenez. Attends, j'arrive, je finis vite mon poisson, c'est bien. Ah, vas-y, 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 fais, je pensais que je peux venir tout seul, quoi. Fais, excuse-moi. T'es où? Parce que ça me met des trucs rouges, là. Voilà, c'est que je suis. Non mais attends, j'ai pêché plus que 5 poissons. Ça me dit 5, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça a pêché que 5? Mais non. J'ai pêché plus. Non, ça c'est quoi ça? C'est sauvé où c'est Charon?
Là, je comprends pas, j'en ai pêché plus que 5, je comprends pas. Bah, essaye d'aller les vendre, peut-être ça peut-être un bug, je sais pas. Putain, mais c'est quoi? J'ai des étoiles partout là! Des étoiles partout? Ouais. Ah ouais, là, quand tu viens à côté de l'eau? Ouais, moi aussi, moi aussi! Moi aussi! Peut-être que t'en as pêché que 5, écoute, pêche encore un petit peu, je sais pas, ben on remonte à déjà aller vendre ça. Déjà avec ça, tu dois pouvoir te l'acheter ton flingue. Allez, j'ai envie de me faire un ours. On va se faire des ours, feu. Là. Fais gaffe pas que ce soit des mirages, hein. Putain. Il y a quelque chose à prendre là, si jamais. Il y a une boîte à piller, si jamais c'est que je suis là. T'en as eu un? Yes! Bravo! Oh! Oui? Il y avait un de ces fantômes là! Ah! Appuie-toi! Oh! J'ai eu! Il est là, vite avant qu'il tombe. Tu le vois? J'ai un visuel sur la cible. Là. C'est bon, t'as pris la peau? Ouais. Ok. Il y a des méchants, je sais pas. Mais il y a des champs de grâce. J'ai pas mon chalumeau. Bah moi je les flambe. Hein. Attention. Enlevez-vous. Attention. Si ça fonctionne, il
Alors, on va essayer de revenir sur le truc de l'ours. Ah ouais, parce qu'on est vachement loin. Ah bah, il y aura droit une dame à côté pour vendre tout ce qu'on a. Alors... C'est parti. Allez, viens. Pace, tu l'as poussé à bout. Merci. Voilà. Ouais, faut absolument que tu la prennes, ce truc. T'as combien, toi? Ben, ça double absolument tout, quoi. Ah ouais, il arrache. Ok, ça joue. Ah ouais, deux balles mort. Ah ouais, il arrache. Les petits flingues. Ah ok. Ah ouais, il va plutôt pas mal. Ok, ça joue. Ah, il va super bien. J'ai mis le premier viseur. Ah ouais, il va vraiment bien. Magnum, c'est la vie. Seb, tu bouges pas. Merci. Elle est où la bibique? Vas-y, viens là. J'ai pas assez d'argent pour le premier viseur. Ah. T'as déjà? T'es déjà 22h quoi. Là. Je reste 30 secondes, je vais te fumer une cigarette, pas poulain. J'arrive. Ça, je vais faire à boire. C'est pour mon bien. Non. À tout à l'heure. Le pêcheur est en bas. T'as fait du bon boulot en prison. Est-ce que tu fais du bon boulot par ici? J'étais certaine que tu ferais preuve d'intelligence. Je ne pensais pas que tu étais comme ça. Mais tu es...
Allez. C'est bon, j'ai pu débloquer, hein. J'ai le droit de tuer un ours derrière toi. Ah, t'as débloqué avec un magnum. T'as débloqué quoi, les deux pots, machin? Ouais. Ah, t'as réussi à avoir un point d'expérience? 3. 3, t'as fait quoi? J'ai tué un ours, et puis voilà. Ah, bah t'as vu. Ça fait... Ça, l'argent va rentrer. T'as encore des trucs là. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait la mission? Est-ce que t'es où? T'es là-bas. Tu pêches? Ouais. Toute ma vie, j'ai eu affaire à des gens comme toi. Putain, il y a du monde. On va pas les tuer, ceux-là? Si. La mort vient du ciel. Pillez. Ah, parce que j'ai payé, alors je crois qu'il y a plus d'argent qui vient quand même. Ouais, 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 t'as de l'argent, t'as plus de trucs qui viennent. Hein, ouais. Bon. On prend ce 4x4 pour voir faire cette mission ou quoi? Bah, c'est parti. Alors, le point. Là, ici. Ici, ici. Hop. Alors, par où je dois sortir? Si je vais tout droit, je rejoins la route. Alors, on va essayer. Ouais. Un ours. Je vois absolument. C'est de l'eau, c'est la route, c'est quoi? C'est la route. À gauche, à gauche. À droite ou à droite. Quoi, vas-y. J'ai quelle heure là? Il est 22h. 21h30, excuse-moi. Pour? Souviens-toi, il me cherche de trois, un ou deux trucs à griller, et puis après tu viendras boire un petit verre, peut-être que tu fais. Ah ouais? Une petite bouteille. Oh bah, moi j'ai plus rien. Désolé Seb, mais j'ai plus une bouteille, j'ai plus rien à la maison. Cette deux carreaux, on l'a fini, j'ai plus rien du tout à la maison. Gentiment cette mission là et puis après on a la mission là. Officier, ouais. C'est le doc. Je voulais juste vous rappeler de ne pas déranger les anges. Si vous les contrariez, vous ne pourrez pas tester la paille expérimentale. Ils l'ignoreront et vous aurez une horde enragée sur le dos. Ne tuez que les membres de la secte. Attends, c'est un ange.
Il y a de la fumée. Celui-là, faut buter celui-là ? Non, non, c'est un ange, il a de la fumée. Ceux qui ont de la fumée, faut pas les tuer, c'est des anges. Ceux que toi qui ont de la fumée verte, faut pas les tuer. T'as vu, c'est eux qui l'ont dit ? Bien entendu, ok. Je sais que c'est des anges. Okay. Putain, qu'est-ce qui se passe ? Le pio il m'allume. Hey, répondez. Ça va? C'est moi, c'est le doc. Vous me recevez? Si les anges sont contrariés, l'appât ne fonctionnera pas. Une fois le calme revenu, vous pourrez placer l'appât et voir jusqu'où ça les attire. Je vois absolument rien. Bon bah t'as tué les anges. La mission est foutue. Bah de toute façon mais ils arrivaient pour nous tuer, tu vas faire comment? Faut se barrer, faut attendre que ça se calme après leur poser la passe, c'est ce qu'il vient de dire dans le truc. Ok. Parce que moi comme j'entends rien, ça je les as pas, tu les as, c'est toi qui les as? Non c'est toi qui l'as pris. Alors, rien voir. Là, pas. Officier, c'est le doc. Je voulais juste vous rappeler de ne pas déranger les anges. Si vous les contrariez, vous ne pourrez pas tester l'appât expérimental. Ils l'ignoreront et vous aurez une horde enragée sur le dos. Alors, moi, j'ai pas d'appât, moi. Hein. C'est jamais. Ben, comment tu trouves les appâts? Bah écoute, tu vas tout en bas, tu vas sous couteau, et puis tu mets, et puis tu joues avec le comment, le la flèche directionnelle. Tu as, moi par exemple, j'ai couteau de lancer, j'ai grenade fumigène, puis j'ai appât, mais c'est pour les animaux en fait. Pas moi, je vois pas aussi en bas, mais que pour les animaux. Ok. Je pense. Le problème, c'est que si on s'en a pas pour les animaux, là, on aura un tigre qui va arriver. Donc d'abord, faut se faire que les autres, alors, oh. Tu dis. Alors, hop. Est-ce que j'essaie de mettre un appât alors? Essaye, ouais, bah y'a un tigre qui veut débarquer, mais essaye. Parce que moi j'en ai pas fait d'appât, toi.
Ah, on doit placer la pâte sur la table. Placer la pâte sur la table, ok. Bien alors. Sur la table, ici au milieu. Ouais, mais on a la vue de tout le monde. Je vais essayer d'aller en fuite, mais. T'es prêt? On doit se barrer maintenant. Atteignez le toit de l'abri. Échelle là, ouais. Officier, mauvaise nouvelle. Je suis quasiment sûr d'avoir ajouté l'adrénochrome à l'appât. Seulement voilà, j'en ai une fiole remplie sous les yeux. Du coup, j'ai un gros doute. J'ignore à quel point ça affectera le résultat. Tant que vous n'avez pas placé l'appât, on peut réfléchir à un nouveau plan. Laissez-moi une petite seconde. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Attends. Tuer les membres de la secte et les anges. C'est parti. Alors là, faut que tu viennes parce qu'il y a des ponts partout là. Il y a des pots, alors là mon pot, on va se faire du fric, vas-y. Pillez, pillez. Pillez. Oh putain. Mais bordel, elle est où mon arme là? Là, je pense avec tes trous. Oh c'est putain, quoi, t'as une plume. Allez, pied. Ah, je peux avoir 10 pots par animaux. Ok, différent. Ça me fait chier. Nickel. La mission finie alors. Rejoignez voir le docteur Charm Lindsay. Alors, est-ce que notre voiture est là-bas? C'est civil innocent, c'est pas grave, il laisserait la voiture. Allez, merci. Désolé, excusez nous avoir tué. Attends, on va d'abord voir ce qu'il y a derrière. Merci de m'avoir sauvé. Ah ouais, moi j'aurais même pas regardé, moi j'aurais embarqué avec. Allez, hop. Un point. C'est de ce côté-là. Ah ben elle est là notre voiture. C'est parti. Attends, je vais regarder dans mon inventaire en attendant que tu roules. C'est. Mais c'est une chier de grenade, de bombe, machin, je sais pas ce que je dois en faire. Pourquoi je peux plus avancer? Le véhicule est foutu. Oh putain, le véhicule était foutu. Il a réparé. Nous ont tiré dessus, nous tire dessus. Ah oh, putain, je suis en train de mettre un medikit. J'arrive.
Alors j'ai pas compris là. Il y a un avion qui a massacré. Pas pigé. On s'est fait enculer, on s'est fait enculer. Ah ben super quoi. Notre cher ami le docteur s'est trompé, il a fait venir tous des putois ou c'est pas trop quoi au lieu des. Ouais, j'ai pas compris moi. J'ai... Ah, c'était. Ok, c'était pas les zombies, c'est les putois qui sont arrivés. Bon, tu me diras, on a de la chance, ça fait une shit pour moi. Oui. On va tirer là-bas. Attends, je vais regarder ce que j'ai. Même ça que je ramasse pas plus qu'avant. Oh, tu l'as activé? Ces diamants là, activé tout fois deux machin, c'est sérieux? Bah je l'ai activé. Bah je sais pas. Et dans le talent, je l'ai débloqué. Tu peux pas te dire, c'est rien, mais en tout cas, c'est à chaque fois que je prends une peau, tu vas d'en bas, c'est marqué. Vous avez pris deux peaux de putois, vous avez pris deux peaux de machin, vous avez. Parce que moi, là, j'ai. Inventaire, ben, tout en haut, j'ai l'arme de lancer et tout, stimulant. À vendre, j'ai 5 trucs de putois là. Ça se peut que peut-être t'en as peut-être que. Ben, moi j'en ai aussi 5 hein. T'en as récupéré que 3. Un de loup, un de d'ours, deux plumes et puis une truite. T'en tapes les portes comme un pot. Ben, faut pas y parler. Donc je te laisse parler. Ah t'es déjà là. Moi, je vais aller en boutique, vendre le magot. Putain, 3000 balles. Moi, j'en ai 10. Bah bon, j'ai 10 de mouflet, 2 d'ours, et des plumes. Officier, vous avez rendu un immense service à ce comté en sécurité. Faut vraiment que je sorte pour aider les gens. Là, j'ai 2000 balles. J'ai 6 points de talent. On serait dans de beaux draps si vous ne vous étiez pas occupé de la prison. Les cougars n'ont que des éloges à te faire pour la fin. Ah ouais. Ah, j'ai bien fait d'appeler. Ça aurait dû mal tourner, pas vrai? Je suis désolé. J'aurais dû mieux vérifier avant de vous envoyer en mission. C'est ma faute. Vous vous trompez sur mon compte, monsieur. Bon sang, ce que je suis content de vous voir. Ok, alors. Je suis désolé. J'aurais dû mieux vérifier avant de vous envoyer en mission. C'est ma faute. Mais vous avez réussi. J'ai assez d'échantillons de grâce en fusée. C'est ce qu'il nous fallait. J'ai eu le temps d'affiner la formule. Et cette fois, c'est du béton. Dès que j'aurai fini le processus, j'aurai un nouveau paquet pour vous. Je vous serai éternellement reconnaissant pour votre aide, officier. Le shérif m'a parlé de vos talents, mais je pensais pas que vous étiez si doué. Ça me manque vraiment la chasse. Nickel. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher quelque chose, toi, ou bien? À grignoter? C'est grâce à vous que mon matériel a été sauvé. Je regardais. Attends. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre à faire? Merci pour ton aide à la prison. Je sais pas. C'est genre un moment qu'on joue. 18h. Attends, on doit aller là-haut.
Figure-toi comment j'ai le temps. Hein. Après, hey, ça dépend officier, de toi. J'ai une mission qui va vous plaire. Ah, c'est comme tu veux. Hey, désolé pour mon attitude. C'était pas cool. Demandez à qui vous voulez. Je suis doué pour jouer les durs. Mais le reste... J'essaie de changer. Bon, on recommence. Bienvenue. Si vous comptez pas appuyer sur la détente, je vous conseille de reculer. Hé, hey, officier, ça vous dit de bouger un peu? Non, mais... Bon, l'équipe va vous plaire. Tout le monde est costaud. Et il faut bien avec ce qui nous attend dehors. J'espère qu'Earl se trompe pas sur vous. On essaie tous de trouver un moyen de vaincre Eden's Gate. Et à mon avis, ça passera par Face. C'est comme ça qu'elle se fait appeler en ce moment. Vous voyez cette immense statue sur la colline? Évidemment, on peut pas la rater. C'est ce bon vieux Joseph Seed. On doit lui péter la statue de Joseph. Face a demandé à ses fans de construire cette horreur pour son pèlerinage de merde. Vous les avez vus? C'est pour on doit aller péter la statue maintenant. C'est horrible. Ouais. Faut qu'on détruise cette statue. Histoire de faire savoir aux tarés que leur père est pas un dieu. C'est seulement un homme. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Faire un bon gros trou dans cette saloperie? Faux prophète. Bon, ben, je pense que là, la statue, je pense qu'il faudra un hélico, hein? Puis poser des explosifs et puis en faire péter. Elle est où cette statue? Il y a le point jaune là-haut. Ouh. Ou à moins qu'on lance des roquettes dessus. Alors, la route pour y aller. Oh ouais, faut qu'on passe par là parce que ça n'a pas été découvert encore. Donc, soit toi tu prends un véhicule, ou bien tu fais venir ton hélicoptère, puis il y en a qui m'ont un véhicule bloqué sur un hélicoptère pour la faire péter. Mais c'est ce qu'on va faire. Puis, dès que je suis vers la statue. Mais faut que tu me commandes l'hélicoptère. Ouais, je vais te le commander. Puis, dès qu'on est vers la statue, tu lances des. Bah, je bute quoi. C'est bizarre qu'on n'ait pas un gratuit. Tous ces achetés. Même moi avec mon pack là, tu sais, du début là. Oui. J'en avais deux ou trois de gratuits, puis là je. Prends l'hélico, oh. Attends-moi. Prends quoi comme véhicule? Tu me suis là? Bien sûr, je suis au droit de toi. Ouais, je suis au-dessus de toi. Tu me vois pas? Mais non, moi je suis dans la cabine, là. Je peux pas te voir. Ah. Regarde. C'est bon? T'as vu quelque chose? Voilà. On verra si je dois poser des explosifs ou si tu peux les faire péter au... Exactement, ou bien je... Il
Je crois que depuis le début quand on a joué ensemble, je crois que c'est ce qu'on aurait dû faire. Un hélicoptère et un... Ah, c'est ce que je t'ai dit avant. Oui, mais depuis le début, tu vois, quand on avait joué les deux au tout début. Ah, au tout début, oui. Ben, il faut voir si si on arrive à... Comment ? Si on arrive... Si ça fonctionne, ce qu'on fait là. Peut-être qu'il faut qu'on soit les deux au sol. Ah. C'est ça le problème ? Donc là, je vois pas trop, moi. Je vais regarder. Elle est où, cette statue à la con ? On verra. Ouais. T'es où? T'es déjà à la statue? Non, je suis derrière toi. Là, je suis en train de prendre un chemin en terre là. Tu vas grimper. Là, il y a un tas croisé. Je regardais si ça déverrouille. Ouais, ça déverrouille. C'est ça qu'on aurait dû faire. En fait, que ça tourne, il y a un peu un hélicoptère pour surveiller et puis pour donner un coup de main au cas où, quoi. Donner hors mission. Il y en a qui m'allume, il y en a qui m'allume. T'es droit tombé sur ma machine. Ouais, quoi. J'ai vu. T'as eu chaud. T'es mort? Non, je vois si je dois pas réparer. Je râle un petit peu là parce que... Non, ça me dit rien. Alors moi je vais me poser aussi un petit peu avant puis je vais réparer l'hélicoptère. Hein, parce que j'ai pris une belle volée. Ah, je suis trop loin de toi, je vais crever. Alors, j'essaie de pas trop bouger, j'essaie de me poser là. Je répare l'hélicoptère. Attends, je viens près de toi là. Qu'est-ce qu'il fait ce machin? Oh. Oh oui. Voilà, réparé. Et bon. Je pense que vers la statue, je pense qu'il risque d'avoir du monde, alors prépare-toi. Ouais. Yo, officier. La statue, c'est un gros morceau de ciment. Va falloir une arme lourde pour la bousiller. Ou un machin volant avec une mitrailleuse. Vas-y. Même des missiles, vas-y. Mais c'est payant les missiles, hein. Attends, il y a 2-3 trucs à détruire, viens au sol vers moi. Où il y a marqué entrée ou c'est pas trop quoi. Ouais, j'essaie d'allumer. Il y a du monde partout. Ah ouais, faut qu'on soit peut-être plusieurs là. Je viens près de toi alors. Il reste plus rien.
putain, elle est mise partout, je pense. Oh, je suis à terre. Attends, je reprends un peu de la vie, 30 secondes, hein. Là, j'ai failli mourir. Elle est mise partout. Ah, c'est quoi, c'est des snipers? Ils sont où? Fais gaffe. Oh, il y a des snipers, je crois. Ah non, moi je crois pas, moi, si si. Il est là-bas derrière. Il est où? Là. Tiens. On doit aller dedans. Il a volé ou quoi? Non. Par terre là. T'as plus de medikit. Putain, il m'occupe bien, ouais. Puis... On doit monter par ici, je pense. Ici, là-dedans. Là, interagir. Non. Levez la tête. Y a des ouais, échelle descend. C'est qu'il me tire dessus. Il faut qu'on grimpe absolument. Ouais, sinon on va se faire défoncer. Allez hop. Je fais pas de pitié, moi je grimpe, désolé. Un coffre-fort ici. De l'argent. Tu vois un hélico, tu cries. Hein. Hélico! C'est bon, je l'ai vu. Ok. Vas-y. Voilà, hop. J'ai pas le jaune qui me pointille en bas, moi je sais pas ce que je dois faire. Ah non, moi il me pointille en haut, moi. Rejoignez, en haut. Ah! Ah là, au milieu. Oh, qu'on est con. Non? Ah, j'ai vu ces échelles. Si là. Là, hop. Hop. Voilà.
Y'a quelqu'un, personne. Et là derrière, allez grimper. Hop. Attention, ici encore notre truc aussi, vous avez comment faire, crash tiré. Parce que chaque fois il y a 200 balles dedans, bien 1000 balles. Hop, prendre. Tac, 300 balles. Grimper. Grimper. Ici aussi, grimper. Ouais, et après. Ah oh, ouais, je m'en souviens. Ici. Ici. Ici, là, grimper. Oh fuck! Putain, comment on va faire? Oh punaise, sur les poutrelles! Grimper. Y'a pas la tyrolienne après en arrivant ici en haut? Je crois, je sais pas. Qu'est-ce que tu as fait? Sa parole. Est-ce que tu te rends bon. Compte de ce qu'il va bah, faire? Bah tu sais quoi? Moi je saute, on verra bien. Hop, oh, yes, tyrolienne. Bah ça va vite aller. Oh putain, regarde la statue. Bah, il reste plus rien. Bah non, c'est pour ça que je t'ai dit lance des roquettes. Regarde ce qui reste, plus rien. Elle avait juste dit un beau trou. Elle avait pas dit de tout la démolir, mais nous l'a tout démolir. Elle a tout fracassé. Pas tout fracassé. Quelle heure il est? Oh putain. C'est beau. Ah. Ils nous font assez chier ces tarés, non? Ben voilà. Ah, c'est dégueulasse. Quoi? Le gars avec la... T'es où? Je suis là, derrière toi. Hein? Bon, on fait quoi? Continue, ben... Ouais, ouais, on arrête un peu. Quoi? On arrête un peu, moi je commence à... La tête... Ok, mais moi je vais me déplacer puis je vais aller voir pour faire ces cases de survivaliste pour avoir un peu de l'argent. Elles sont où? Tu les trouves comment? C'est des petits diamants verts. Vert ou bleu, je sais plus comment. Tu la vois sur la... Tu les vois sur la carte? Ouais, ouais, il y a marqué cases de survivaliste. Ok. Compliqué à faire. Attends, enlève-toi. Elle est où? Ah, il y a un truc qui a marqué là. Ah, là, il y a là, le diamant. Là, je peux pas le prendre. Une équipe de la résistance est partie s'établir au sommet du Raptor Peak. Mais je n'ai plus de nouvelles. J'espère qu'ils vont bien. Ce n'est pas une ascension facile.
C'est quoi, c'est une mission? Ouais. Il y a du monde? Je sais pas, je me suis trompé. Quoi de ça bruit? T'es où? Sur le chemin. C'est un cougar. Bison mort. Hop. Ours si mort. Des... Si tu veux des ponts, si tu veux des pots. Ah, peau d'ours x2. Voilà. Voilà. Alors. Escalader Raptor Pick. Oh putain, ils font chier. Comment l'escalader maintenant? J'avais débloqué le truc grappin. Oh là là, c'est quoi ce bordel? Oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là. Votre partenaire est mort, ok. Mais le grappin, je sais pas comment l'utiliser, c'est ça le truc. C'est quand il y a une marque de grappin, là il n'y a pas de marque de grappin. Là il faut aller pas avec le grappin, ce serait trop facile. Là il y a une marque de grappin. Bah oui, ben... Je sais pas quoi faire. Là. Regarde, c'est là. Hop. Mmh. Alors... Ok. Et après, faut aller là-bas. Bah ouais. Et comment? Bah c'est pour ça, je me dis, t'en coupes peut-être avec le grappin. Moi je vois pas de grappin là, je vois rien. Faut des compétences pour ces trucs là. Ah si, y a un truc grappin là. Tout en haut.
Bah maintenant comment faire? Faut l'utiliser. J'en sais rien. Ouais. On l'a activé? Moi je l'ai pas, hein. Je crois que je l'ai pas en talent. C'est un talent activé. Mais j'ai activé le talent, moi, grappin. Mais où c'est qu'il est? Alors, débloquer grappin. Repérer le point d'accroche et utiliser R2 et L2 pour grimper et descendre rapidement. C'est que t'as vu ça, tu m'as dit. Ah si, grappin, carré. Tu vises le grappin, puis un truc qui vient carré. Hop, voilà. Et tu montes. Et après, il faudrait redescendre. Mais aller de l'autre côté en se balançant. Est-ce qu'on peut se balancer? Oui, c'est pas beau la vie, regarde. Bon, qu'est-ce que je dois faire moi maintenant là? Attends, hop. Redescendre et puis Tac! Voilà, moi j'y suis. Ouais, parce que quand t'arrives au bout de la pierre puis que tu fais le grappin, ben tac, ça vient carré. C'est marqué grappin, carré. Putain de merde. Tu vises comment avec ton arme? Ouais, avec ton arme. Hein. Putain, carré qui vient. Alors là, par contre... Que dois-je faire? Grappin, carré. Ben voilà. Fais comment pour aller là-bas, toi? Qui? J'ai grimpé. Il y a des bouts de cordes bleues partout. Ça va pas. T'es grimpé tout en haut? Ouais, j'ai en train d'arriver là, mais j'ai en train de marcher sur des rondins, mon pauvre, je suis ma race. Là. Ouais, j'y suis bientôt là. Ouais.
T'as comment lâché plus le grappin? Ouais. Arriver en haut maintenant. Ouais, là. Ok, ok. Voilà, moi je vois une espèce de grotte, c'est là-dedans. Bah, je sais pas, moi je suis tout en haut donc j'ai rien compris. On doit prendre quelque chose. Trouver la cache. Ah, il y a une cache à trouver. Bah, il fallait le dire. Je pensais qu'il fallait monter tout en haut, moi. Je sais pas c'est quelle est la cache. Putain, je me fais attaquer par des. Vous tirez. C'est dans leur nid. Je sais pas si c'est là. Ça fout les boules de Max, c'est ce que non. C'est merde. 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 Et merde. Bon, bah. Je vais quand même suicider, quoi. Chut. Putain. Que la cache est en haut. Trouver la cache. T'as trouvé? Ouais. C'était où? Tout en haut vers un campement où il y a des gars qui étaient morts. Ah, là. Il y a quoi à prendre? Oh, il y a une tuile d'argent. Par contre, moi j'ai plus mitrailleuse. Hein. Elle est tombée en bas. Ah, de toute façon, moi j'ai plus trop trop faire long, Seb. Je commence à avoir les yeux qui se croisent avec ce jeu. Hop. Hop, hop. Bon, bah, moi le live, je vous laisse gentiment. Et vous passerez une. Une bonne nuit. Et puis, bah, à la prochaine. Ciao, ciao, tout le monde. Hop. Tack.